La Côte d'Ivoire, sacrée championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire a décroché sa troisième étoile sur le plan africain. C'était face au Nigeria. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Le débrief du champion de la Côte d'Ivoire lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que nous allons analyser, décortiquer dans cette émission, dans cette vidéo. Mais pour ce faire, nous allons passer d'abord par les artisans de cette comment, de ce mérite, de ce sacre de la Côte d'Ivoire. Quand nous parlons des artisans, vous allez voir tout à l'heure la liste de ce que nous allons dire et en fin de compte donner mon avis sur ce sacre de la Côte d'Ivoire. Alors, parlant des artisans de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, il faut le souligner, en premier lieu, le chef de l'État ivoirien, monsieur Alassane Ouattara. Ce monsieur a tout changé. Vous voyez son discours d'ouverture. Il a dit que la coupe va rester en Côte d'Ivoire, que la coupe va rester à la maison. Et au soir du 11 février, qu'est-ce qui s'est passé? La coupe est restée en Côte d'Ivoire. Sur ce point, je rappelle ce qu'un vieux assis là voit. Le jeune, même en montant dans l'arbre, ne voit pas. Alassane Ouattara a confirmé cet adage, la Côte d'Ivoire, sacré champion. Le deuxième point, c'est le coach Emérès Faye. Le coach Emérès Faye, le pourquoi il est le deuxième artisan de ce sacre de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont suivi mes vidéos de la CAN, j'avais commencé tout par parler de la Côte d'Ivoire en début. Et par après, je me suis vraiment découragé. Le pourquoi je me suis découragé, c'est parce que le choix, la composition, la présentation que nous sort Jean-Louis Gasset, qui était l'ancien, ça ne me convient pas. Ça ne permet pas à la Côte d'Ivoire de faire une brillante CAN. Et en conséquence, ils l'ont raclé 4-0 devant Guinée équatoriale et ils n'ont plus leur destin à main. Et ce qui lui a coûté cher, son limogeage. La Côte d'Ivoire, qui est maintenant dos au mur, puisqu'il faut attendre le miracle, et qui c'est le miracle qui s'est opéré par le Maroc, en battant bien sûr, à décrocher des victoires, et qui ressuscite la Côte d'Ivoire dans la compétition. Et comme d'habitude, nous les Africains, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Voilà l'autre point que je n'apprécie pas toujours chez nous-mêmes. On n'a jamais eu confiance pour nous-mêmes. Jean-Louis Gasset est parti, il faut forcément trouver quelqu'un. Et la Côte d'Ivoire tentait l'impossible. Qu'est-ce que j'appelle l'impossible? Obtenir en prêt Hervé Renard pour finir la CAN. Et heureusement, le ministre des Affaires, donc le ministre du Sport français et le ministre des Sports ivoirien ne se sont pas entendus d'accord. Et donc, ça n'avait pas été conclu. Conséquence, Hermès Faye, l'adjoint Jean-Louis Gasset, prend les rênes de cette équipe. Il me reste que tout le monde ne connaît pas. Il est sorti de nulle part. Et ce monsieur a ressuscité cette équipe ivoirienne. Quand on parle de la résurrection, c'est à ce monsieur qu'il faut l'attribuer. Il me reste failli. C'est les Ivoiriens là. Comment, la base de votre résurrection pour cette CAN, c'est Emérès Faye. Le pourquoi? Parce que quand ce monsieur a pris les commandes, voyez en même temps la première composition d'équipe face au Sénégal, avec le retour des ténors. Serge Aurier rentre en compétition, Massa Allègre-Gradel rentre en compétition, Sergi rentre en compétition. J'ai toujours tendance à dire toujours que les agents là, les entraîneurs agents, ils voient beaucoup plus là où même les coachs ne voient pas. Et malheureusement, ces coachs-là qui n'aiment pas écouter leur agent, ils paient cash. Et Emérès nous a démontré que quand il était agent, c'est comme Zidane au temps de Carlo Ancelotti qui était agent. Et quand Carlo est parti, il a pris les rênes. C'est trois Ligues des Champions consécutives. Emérès a démontré ça avec la Côte d'Ivoire. Face au Sénégal, mais les uns les autres se disent, mais c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Mais Emérès Faye a montré que quand il était agent, il voyait là où même son maître ne voyait pas.
il a ressuscité les vieux, les expérimentés que Jean-Louis Gasset laissait sur le banc, Massa Allegra. Vous avez vu tout ce qu'il a apporté. Serge Aurier, c'est vrai que l'âge les a frappés, mais je l'avais toujours dit sur cette chaîne Intégral Sport Officiel, dans une équipe où vous avez l'expérience, les vieux, avec les jeunes qui apportent la fraîcheur, cette équipe est difficile à battre. C'est l'exemple parfait avec le Sénégal. Le Sénégal a su combiner, sauf que face à la Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus surestés avec la maladresse de certains coéquipiers, de certains joueurs à l'instar de Sadio Mané. Et ça a payé cash. Et je l'avais dit, quand la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal, je me suis dit dans ma tête, la seule équipe qui va poser problème, et moi-même, je me suis dit que la Côte d'Ivoire était éliminée, c'est face au Mali. Si vous suivez l'histoire de cette CAN, les Maliens sont purs et simples, contre-catégoriques à tout ce que la Côte d'Ivoire entreprend dans cette CAN. Tenez-vous bien, il suffit que le Mali gagne cette équipe-là, que je donne son nom, et que la Côte d'Ivoire se qualifie même avant même le choc du Maroc. Mais les Maliens préfèrent, face à la Namibie, les Maliens ils jouaient comme s'ils font entraînement. Maintenant, face au quart de finale, quand la Côte d'Ivoire s'est défaite du Sénégal face au Mali, c'est là, je me suis dit, c'est là où la Côte d'Ivoire va échouer. Et quand j'ai vu cette équipe ivoirienne menée à la 67e minute par le Mali, revenir à la fin des temps réglementaires et corser l'addition, j'ai en même temps écrit « La Côte d'Ivoire est championne ». Pour ceux qui ont vu mon post, allez revisiter. Depuis le match de la Côte d'Ivoire face au Mali, j'ai en même temps écrit « La Côte d'Ivoire est championne ». Dans nos émissions différentes que nous avons organisées à la radio, quand tu joues contre la Côte d'Ivoire est championne. Même hier, dans l'émission d'avant-match, mon message c'est que la Côte d'Ivoire est championne. Surtout que la finale, c'est face à une mauvaise et meilleure équipe de la CAN. Vous n'allez pas me dire que le Nigeria fait un parcours extraordinaire. Le Nigeria, c'est plutôt, si on veut utiliser le terme miraculeux, c'est plutôt Nigeria. Le Nigeria, c'est lui qui a fait le parcours miraculeux. La Côte d'Ivoire n'a pas fait un parcours miraculeux. La Côte d'Ivoire a fait un jeu réaliste. Éliminer le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, c'est pas une chose de miracle. La Côte d'Ivoire a su tirer son épingle du jeu. Et c'est ça la mentalité que j'adore. Et si jamais je soutiens le Real Madrid, ce n'est pas pour rien. C'est cette mentalité. Et je dis toujours à la jeunesse, nous devons toujours fréquenter l'école madrilène. Et heureusement, la Côte d'Ivoire l'a su démontrer. Hier, quand le Nigeria a marqué, je me suis dit, mais il va falloir reprendre ses souffles. Et quand la Côte d'Ivoire a égalisé très tôt, je me suis dit, ah, c'est fini. Le Nigeria ne pouvait pas. Le Nigeria n'en peut plus. C'est vrai que cette, ils ont l'étoile africaine à leur rang, l'actuel ballon d'or africain, Victor Osimhen. Mais quand vous suivez le jeu du Nigeria, vous allez voir que le Nigeria n'est pas en forme. Le Nigeria joue la première partie et la seconde partie, le Nigeria se débrouille. Face à une Côte d'Ivoire ressuscitée, revigorée, pleine de courage, avec des anciens ténors qui poussent, le chef de l'État qui est en avant devant le ministre du Sport, le président de la Fédération ivoirienne, tout avec un public acquis à la cause, le Nigeria ne pouvait pas. Cette victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, c'est logique et mérité. Le Nigeria, même c'est avant que, et il ne peut pas. Et ce qui m'a beaucoup plu, l'un des artisans de cette victoire, de ce sacre de la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller l'a dit, qu'il connaît la faiblesse du Nigeria. Moi aussi, je connais. Et c'est ça qu'ils ont utilisé. Quand le Nigeria a marqué, la Côte d'Ivoire a pris le jeu à son compte. Vous avez vu même le deuxième but qu'a marqué Sébastien Haller. Je l'avais dit, dans un duel, et Victor Osimhen face à Sébastien Haller, le Nigeria va avoir problème. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu le but qu'il a marqué. Et quand qui est sacré, meilleur joueur même de ce tournoi, ne savait même pas que quelqu'un pouvait envoyer le pied comme ça et marquer un but. J'allais même vous faire la démonstration, mais élever le pied comme ça et marquer devant deux adversaires, trois défenseurs, vous faites ce qu'on appelle le savoir-faire. Et également, j'ai cité Sébastien comme un artisan phare. Quand il n'était pas à la camp, parce qu'on sait que pour sa raison de santé, je l'avais vu lors de son interview qu'il a accordé à New World TV, où moi, il pleurait vraiment. Je pense que la Côte d'Ivoire doit vraiment soutenir ce monsieur Sébastien Haller. Tout ce qu'il a traversé jusqu'à cette CAN, quand vous voyez l'image, je crois que
Et lors de l'interview, quand il s'est rappelé de ce moment, il a pleuré. Vraiment, moi-même, quand je suivais ça, j'étais vraiment triste. Et je suis encore comblé de joie que c'est par lui, celui qui a délivré en demi-finale et celui qui a encore également offert la victoire hier. Ça confirme son rang qu'il est. Et il a manqué beaucoup à la Côte d'Ivoire lors de la phase de poule. Mais heureusement, il a répondu au bon moment. Donc, après Emery Faye, l'entraîneur, après Sébastien Haller, j'avais souligné dans ceux qui ont suivi ma première vidéo d'Avacan, j'avais parlé d'un joueur que FC Barcelone, malheureusement, c'est parce qu'il cherche à laisser partir et préfère plutôt jouer avec les jeunes joueurs que je ne veux pas donner le nom. Franck Kessié. Franck Kessié, au milieu du terrain, vous avez tous les problèmes de ce monde. C'est un monsieur vraiment très robuste, un monsieur vraiment aguerri pour la cause. Vous avez vu la tête? Vous avez vu son engagement dans le jeu? La Côte d'Ivoire, vous êtes bénis d'avoir ce genre de joueur en vos rangs. Vous êtes bénis. Et le joueur, le jeune dans sa 25, Adinda, je suis nommé même le Vinicius Junior de la Côte d'Ivoire. Je crois que ce jeune a de l'avenir. Il est un bon allié avec les yeux à côté. La Côte d'Ivoire a montré sa face, la vraie physionomie. Et pour couronner de tout ça, c'est le sacre. Les Ivoiriens, aujourd'hui, Alassane Ouattara a décrété cette journée du 12, lundi 12 février, férié, chômé, payé en Côte d'Ivoire. Quoi de mieux que ça? Sacre, organiser la CAN, décrocher le titre. Et le lendemain, le joueur férié. Et ça devient une fête nationale. Et il avait dit, après la finale, avant la finale, le message du président de la République, Alassane Ouattara, c'était: faites de nous, rendez cette journée-là, une journée de fête nationale. Et les Ivoiriens ont compris. Merci aussi à Didier Drogba, un artisan aussi. Pour nous qui, jusqu'ici, on ne donne pas la valeur à ces anciens, à nos vieilles gloires, je crois que l'histoire de la Côte d'Ivoire va ouvrir beaucoup de yeux à certains pays. Quand je parle de certains pays, je vais parler de mon pays, le Togo. Didier Drogba, on lui a donné la place qu'il faut en cette CAN. Il est là aux côtés des joueurs, il est en contact. Vous voyez, quand le coup de sifflet final, tous les joueurs sont dirigés vers lui. C'est ça qu'on appelle grand frère. On n'a pas un grand frère dans la maison et on s'en passe de lui, comme si rien n'était. Vous allez où avec ça? Vous avez quelqu'un qui connaît bien le foot. Il sait de quoi on parle. Vous voulez s'en passer de lui. Et vous voulez aller où? La conséquence directe, le Togo n'est pas prêt. Le Togo n'est pas présent dans trois CAN consécutives. La conséquence, on a payé cash. Après Adebayor, le Togo est allé où dans la CAN? Et je l'avais dit dans l'émission, ce qui m'attriste le plus, c'est d'avoir ces jeunes, les Kevin Deke, les Karim Derman et ses consorts qui émergent et qui ne peuvent pas démontrer leur talent dans des compétitions de grandes envergures. Les Sergio Aurier ont trouvé club. Les Bakambu ont trouvé club en même temps dans cette CAN. Pendant ce temps, nos jeunes Togolais, ils sont toujours là, à côté, à dire, dans l'ombre, au moment où il y a les projecteurs sur les différents stades. Je crois que cette CAN, ce sacre de la Côte d'Ivoire, ce titre de champion, doit faire réfléchir certains pays. Et quand je parle de certains pays, mon pays, le Togo, d'abord. Et je crois que vous avez également tiré beaucoup de leçons. Bientôt, puisque hier à la télé, on a vu, on a remis le drapeau de la CAF. De cette, la CAF a remis son drapeau au Maroc, qui va accueillir l'échiquier 2025. Et le Togo va démarrer ses éliminatoires. Mes chers amis, le Togo a obligation d'être à cette CAN. Si jamais on n'est plus qualifié, je crois qu'il y a des choses à faire. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Bye.